Alors, juste pour la parenthèse, je suis aussi agent immobilier. En Belgique, je crois que mon accent, je ne peux pas le cacher. Et donc, la fois passée, on a vu les quatre profils psychologiques qui existent sur Terre. Alors, je sais que c'est difficile à comprendre ou à admettre, hein, on est tellement différents, mais heureusement, il y a cette petite pointe, cette petite touche qui fait toute notre différence. Mais grosso modo, on peut cataloguer, et oui, je suis désolée pour ceux qui ne font pas de catalogue, mais qu'on met des catégories, mais à un moment, il faut bien généraliser pour pouvoir analyser. Il existe quatre grands profils psychologiques, et c'est les mêmes partout, hein, que l'on soit en France, en Belgique, aux États-Unis. On peut descendre dans des sous-profils pour ceux qui veulent le souhaitent, mais pour faire simple, on va uniquement garder ces quatre profils. Alors, ce qu'il faut comprendre dans la vie, c'est que dans ces quatre profils, l'axe le plus différenciant dans la personnalité, c'est le fait que l'on soit extraverti ou introverti. Alors, inutile de dire que la plupart du temps, les agents immobiliers sont assez extravertis en tant que commerciaux. L'autre axe qui différencie la personnalité, c'est le fait qu'on est plutôt rationnel, orienté tâche, ou émotionnel, plutôt humain. Voilà. Alors, heureusement, on est quand même un petit peu des quatre. Mais il y a des grosses tendances. Comme vous le comprenez, il y a quatre profils. À partir du moment où on est dans un profil, c'est ça qui est embêtant, c'est que l'on déplaît aux trois autres profils. Donc, en étant soi-même, on déplaît à trois quarts des gens sur Terre. Formidable. Alors, vous allez me dire, pas du tout, c'est pas vrai, c'est parce que mes amis me disent, oui, mais vos amis sont comme vous. La plupart du temps, nos amis sont comme nous. Ils ont le même profil psychologique et nous confortent dans nos croyances. Par contre, en amour, je fais la parenthèse, mais quand même, elle a son poids, c'est en général les opposés qui fonctionnent. Ça crée une stabilité. Donc, c'est important de comprendre que le profil que l'on est, même si tout notre entourage l'adore, il y a beaucoup de chances que l'on déplaise à trois quarts des clients. Et que notre façon de communiquer déplaise aussi à trois quarts des clients. C'est essentiel à comprendre. Alors, quatre profils, je vais commencer par le... Alors, pour être tout à fait précise, on a deux grands profils chacun, mais je vais simplifier pour l'analyse et parler d'un seul profil. Alors, je commence par le profil qui est extraverti et plutôt rationnel, que l'on appelle l'entreprenant. Alors, vous avez un exemple devant vous, le côté le winner, le battant, celui qui écrase tout le monde. Alors, évidemment, quand on n'est pas dans ce profil, on voit ça négativement, mais quand on appartient à ce profil-là, on voit cela comme toutes des qualités. Donc, en un mot, le profil entreprenant, c'est quelqu'un qui est extraverti, qui est par exemple chef d'entreprise, qui est commercial, qui va de l'avant. C'est quelqu'un de très direct, très franc, hein, pas de détour. Il ne faut pas lui parler des détails, il a ça en horreur. Ne lui dites pas qu'il y a 34 euros de charge, vous arrondissez à 30. Il ne faut pas lui parler de problèmes, on va en venir avec le staging, il faut lui parler de solutions. Et c'est quelqu'un qui appréciera, qui aime déléguer, il en a l'habitude. De par son métier, il appréciera que vous preniez tout en charge. En ce qu'il ne faut surtout pas faire avec donc, ce profil-là, c'est lui parler de problèmes et aller dans le détail des choses. Si vous retenez ça, vous retenez beaucoup. Alors, ce qui est facile pour arriver à s'exercer, c'est d'un peu identifier, après ce soir, ou d'aller revoir le replay de la fois passée, un peu dans votre entourage, dans votre famille, qui appartient à quel profil. On a tous un entreprenant à nos côtés. Le deuxième profil est également du côté extraverti, donc beaucoup d'agents en font partie, et beaucoup plus relationnel, beaucoup plus humain. Ce sont des personnalités qui ont de l'influence, c'est des gens qui sont sur les réseaux sociaux, pour qui le regard des autres, enfin j'y en fais aussi un peu partie, beaucoup, le regard des autres compte. Ce sont des gens qui sont touchés par les compliments, qui adorent le fun, le plaisir, on le verra dans le home staging, il faut que ce soit amusant. C'est des gens pour lesquels il faut tout en sourire. Ils adorent les anecdotes, les histoires. Ah, ce sont des clients hyper sympathiques. Si les premiers, les entrepreneurs, sont pour moi les meilleurs clients, parce que c'est des clients, c'est go en avant, où est-ce que je signe? Je n'ai même pas encore expliqué tout ce que vous allez faire ici déjà. Les relationnels, on s'amuse avec eux. Hein. Ce sont ceux avec qui on est allé au restaurant prendre un verre. Par contre, et attention, ils sont capables de très vite changer d'avis, hein, puisqu'ils sont tout le temps à l'affût des nouveautés. Et ils vous enlèvent, vous avez l'impression que vous allez signer avec eux. Et une semaine plus tard ou trois jours plus tard, ils ont déjà signé avec quelqu'un d'autre. Donc, ils sont changeants. Ils ont aussi cette particularité, ils vous diront que non, de ne pas être très travailleurs. Les gens ont l'impression qu'ils travaillent beaucoup parce qu'ils sont très créatifs. En fait, ils initient les idées, mais dans les faits, il n'y a pas des poudres de guerre du travail. Mais bon, si comme moi, vous avez ces deux profils dominants, le côté entreprenant et le profil relationnel, ben voilà, il y a parfois, en fonction de ce que l'on doit faire, un profil qui prend le dessus. Et donc, avec ces clients-là, hein, les clients relationnels, ben, il faut faire attention de les surveiller puisque ce ne sont pas des grands travailleurs.
Ça, c'est pour la partie extravertie. Alors, en général, en tant qu'agent immobilier, c'est assez facile de s'entendre avec eux. Pour l'autre partie, les introvertis, c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas, pour moi qui suis extraverti, ce sont des profils qui ne sont pas très ouverts vers les autres. C'est parfois difficile d'aller chercher l'info. On va s'intéresser d'abord au profil qui est introverti et qui est heureusement humain. Alors, je vous rassure, je ne l'ai pas dit au début, mais la majorité des gens sont quand même du côté humain. C'est déjà un bon point. Donc, les gens qui sont introvertis, plus humains, plus relationnels, je les appelle les conservateurs. Ben, ce sont, j'ai envie de dire, les gens normaux, les gentils. C'est d'ailleurs le plus gros groupe en psychologie. Ils sont assez traditionnels, voilà. Il ne faut pas les bousculer dans leurs habitudes. D'ailleurs, vous verrez en général que leur intérieur est assez aussi traditionnel. L'intérieur des maisons, en vivant, là où les relationnels en sont souvent à la pointe très moderne. Les conservateurs le sont aussi d'ailleurs dans la façon de s'habiller. La psychologie va loin. Ce sont des gens qui ont besoin d'être extrêmement rassurés. Parce que la problématique de ces profils en immobilier, c'est qu'ils détestent. Alors, ils détestent, comme souvent les introvertis, le changement. Alors, ce qui était un peu compliqué en immobilier, puisque quand même le but de vendre, c'est de déménager. Donc, c'est vraiment un énorme travail sur eux. Ça leur fait violence. Et il faut rassurer dessus. Il va falloir être extrêmement rassurant, empathique. Il ne faut pas les bousculer. Ils en ont horreur. Mais par contre, ces personnes-là, vous pouvez leur donner un timing. Surtout leur donner les étapes. Voilà, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Cette semaine-ci, on fait ça. La semaine prochaine, on fait ça dans 2 semaines. Et puis, on fera ça dans 4 semaines. Mais ne vous inquiétez pas. Si c'est trop, alors on fait à votre tempo. Donc voilà, il faut quand même leur mettre un but sans les presser. Et alors, surtout à ne pas faire, c'est des surprises. Ne venez pas en leur disant que vous avez une petite surprise, ils en ont horreur. Ne les flattez pas sur leur intérieur. En général, de toute façon, on n'est pas très flatteur. Ne les flattez pas sur leur intérieur parce qu'ils en ont horreur. Et ils ne sont pas à l'aise avec tout ce qui est compliment. Par contre, ils sont extrêmement à votre écoute et seront bienveillants. Ils sont extrêmement gentils. Ouais, grande qualité. Voilà, donc le profil conservateur. Ce qui nous amène, salut Daniel, et je n'ai pas vu les autres prénoms, mais on les prend. Bien sûr, le bienvenu. Je fais une petite intro, j'ai presque fini Thibaut sur les 4 profils c'est que bon, nous avions vu la fois passée. Bon, moi j'ai tout écouté. Hein, Thibaut à la caméra. Je termine, hein, Thibaut, comme ça on a fini, on pourra démarrer. Le 4e profil que nous avions vu la fois passée, c'est le profil introverti et rationnel. Alors, ce sont les analytiques, les gens qui réfléchissent comme des malades, qui analysent tout. C'est un profil qui est assez compliqué, mais qui est très représenté en immobilier parce qu'en général, de par leur fonction, ils ont beaucoup d'argent. Des avocats spécialisés, des professions, des médecins spécialisés, mais ce sont des gens qui analysent tout dans les détails. Avec eux, il ne faut surtout pas synthétiser, il faut tout détailler. Et ils aiment la communication écrite. Pour le home staging, il va falloir arriver également avec faire attention à cela et pas être dans le verbal. Pour moi, ce sont des clients très, très compliqués, c'est vraiment, je ne supporte pas. Mais je vous donne un de mes trucs préférés. Comme je vous l'ai dit, en fait, la majorité des gens ont un double profil. Ils sont et alors, il y a un profil très courant qui est celui d'être analytique, donc extrêmement pointilleux, et en même temps relationnel, ce qui paraît un peu invraisemblable. Mais c'est un profil courant pour les analytiques. Moi, dans ce cas-là, coucou Laetitia, qu'est-ce que je fais? J'essaie de m'accrocher à leur part jaune, à leur part relationnelle, et à jouer là-dessus, parce que la partie analytique, je ne la supporte pas, et ça se sent, tandis que leur partie relationnelle, et vous allez voir qu'on peut très bien s'amuser avec eux une fois qu'on arrive à aller chercher cette partie-là, c'est génial. C'est d'ailleurs ça la clé des 4 profils, puisque je vous ai dit il y a 4 profils, mais réellement on en a 2. C'est toujours aller chercher dans l'autre la partie qui vous parle le plus, la partie où vous allez pouvoir cliquer avec la personne. Et la personne aussi, vous allez avoir une relation formidable parce que vous allez dire, mais j'adore cette personne. Moi j'ai comme ça pour le moment un client analytique au départ, il m'écrit, c'est pas possible, pas possible, un mail de 25 lignes. Hein. Et maintenant, en faisant attention à ce côté jaune, à ce côté relationnel, je crois qu'on est les meilleurs des potes. Donc, comme quoi, tout est possible. Voilà. Et donc, avec ces clients-là, pour terminer, sur les analytiques, il faudra être extrêmement précis. Salut Delphine, salut Noémie, salut Laetitia, pour répondre à toutes leurs questions. Vous arriverez à conclure quand vous aurez seulement répondu à toutes leurs questions et tous leurs freins. Voilà, Thibaut, incroyable, hein, on est dans les temps, on est prêt. Pour ce petit rappel important, parce que les profils psychologiques, c'était notre dernier épisode. Effectivement, on était heureux de vous avoir une première fois pour ce premier épisode. C'était bien de faire un rappel, parce qu'on va rester sur la psychologie. Finalement, je pense que une grosse partie du travail des agents immobiliers, c'est de la psychologie. Et on va s'attacher à est-ce que c'est un petit sujet d'ailleurs? C'est la question que je me suis posée.
Non, mais c'est vrai, tu m'as proposé un sujet, tu m'as dit, il faut absolument qu'on parle effectivement, non pas de homestaging, mais comment est-ce qu'on peut convaincre les vendeurs de ranger leurs maisons, leurs appartements. Et c'est vrai que je n'avais pas compris. Alors, je fais le lien maintenant avec les profils psychologiques. Mais je me dis, c'est une évidence finalement que de ranger son appartement ou sa maison. Et en fait, tu m'as dit non, ce n'est pas du tout une évidence et il faut convaincre donc les vendeurs de ranger, voilà, de ranger leurs appartements ou leurs maisons. Alors, essaye de nous en dire un peu plus et surtout, pourquoi est-ce que tu considères que c'est un point important sur lequel on doit passer un moment ensemble, effectivement 45 minutes ensemble. Alors, Thibaut, en fait, si je n'avais pas fait une étude de marché, donc permets-moi de commencer par raconter cette petite histoire qui est vraie, hein. Je ne m'en serais pas, je n'aurais pas perçu l'importance de ranger, du homestaging. Enfin, déjà, ranger, c'est déjà pas mal, c'est la base. En fait, pour la petite histoire, il y a, c'est pas grave, Noémie, on commence. Noémie, on a refait un récap. Donc, bienvenue à tous, on commence seulement, c'était juste l'échauffement. Oui. Donc, en fait, pour la petite histoire, il y a quelques années, une quinzaine d'années, moi je suis issue des études de marché, j'avais autofinancé une étude de marché pour comprendre comment les propriétaires choisissaient leur agent, hein, puisque finalement, c'est les mandats qui sont super importants. Hein. Aujourd'hui, tu as un mandat, tu le mets en vente, hop, c'est parti en deux temps, en trois mouvements. Et donc, j'ai fait une étude de marché qualitative, psychologique, puisque tu comprends que j'aime ça et que c'est souvent un levier important d'émettre les bonnes hypothèses. J'étais derrière la vitre teintée, comme dans les films en fait. Ça existe, tous les secteurs font ça. Il n'y a qu'en immobilier qu'on ne fait pas ça. J'étais derrière cette vitre teintée et de l'autre côté de la vitre, il y avait une dizaine de personnes avec une psychologue. Et là, la psychologue amène le sujet, hein, selon un certain canevas. Et à un moment, elle demande au propriétaire, mais comment fait-on pour choisir une agence? Et là, les propriétaires, moi je m'attendais à des choses très high level, mais non, finalement, les propriétaires expliquent qu'en fait, avant que l'agence n'arrive, puisqu'ils ont pris un rendez-vous, la première chose qu'ils vont faire, c'est aller voir le website de la personne ou passer devant l'agence, si elle vitrine forcément physique, et ils regardent les photos qui sont dans la vitrine physique ou la vitrine Internet. Et c'est là-dessus, et principalement là-dessus, qu'ils se décident. Donc, autrement dit, si les photos, passe-moi, tu connais mon franc-parler, sont merdiques, tu n'as aucune chance de décrocher le mandat. Alors, la problématique, c'est que les photos, c'est pas nous, on n'en peut rien si les maisons sont en bordel, que c'est sale, que c'est mal rangé. Néanmoins, ben, quand les photos sont mauvaises, c'est la faute de l'agent. Quand elles sont bonnes, c'est une belle maison. C'est un peu comme dans la vente, hein. Quand on vend trop vite, c'est que c'était trop facile. Et quand on ne vend pas, c'est la faute de l'agent. La même chose. J'ai compris. Voilà, d'où l'importance essentielle d'avoir des super photos pour décrocher les mandats et puis aussi d'avoir un intérieur rangé pour les visites, ça aide, mais ce n'est pas le plus gros point aujourd'hui. Et donc, d'avoir des photos pro, alors, ça ne peut être moche, désolé, mais ça doit être net, propre et rangé. Donc, les clients, si tu veux, les prospects, les propriétaires peuvent comprendre que l'intérieur, elle est moche, mais ils ne comprendront pas si tes photos, si le lit n'est pas fait, si la lunette de la toilette n'est pas abaissée, si quand tu fais la photo de la salle de bain, on voit, excuse-moi, les tampons hygiéniques qui traînent sur la table. Là, c'est toi le mauvais agent. Et je les comprends. Parce que moi, quand des confrères me disent, oui, mais Evelyne, moi, je ne suis pas payée pour faire ça, mais si, excuse-moi, tu sais, comme un vendeur de voiture, on te confie une voiture à vendre, tu vas la laver, la simoniser, tu la fais blaguer, briller, tu retires, je ne sais pas, moi, les trucs du McDo qui sont partis dans la voiture. C'est ton job de le faire. Voilà. Et c'est devenu une compétence aujourd'hui que de savoir parler donc aux vendeurs et aux propriétaires et de leur expliquer que s'ils veulent vendre dans de bonnes conditions leurs appartements, mais aussi, c'est un peu la notoriété de l'agence et aussi l'image de l'agence, puisque c'est ce que tu dis. En premier. En fait, voilà, c'est important, en fait, c'est presque une obligation, donc à la fois pour le vendeur et aussi pour l'agence, que de convaincre le propriétaire de ranger. Alors, comment on fait? Parce qu'il y a différents profils. C'est ça le lien entre les profils psychologiques du premier épisode et cette deuxième session. Comment on fait le lien? Voilà, comment ça, effectivement, ça Alors, va avant de faire le lien sur les profils qui est déjà à un niveau élevé, je vais peut-être t'expliquer comment j'ai procédé pendant des années, qui est un niveau plus facile. Donc, je vais le faire en deux niveaux. Alors, ce qui est super intéressant, puisque le challenge aujourd'hui, c'est de convaincre. Et convaincre, ça ne se fait pas en parlant. Moi, j'aime bien faire les parallélismes avec les enfants. C'est comme quand tu dis à ton enfant, ton fils, ta fille, va ranger ta chambre. C'est ça qu'il le fait. Ou va étudier. C'est pour ça que ça marche. Si tu dis à quelqu'un qui est en surpoids, fais régime,
Ce n'est pas motivant. On fait du sport, ce n'est pas motivant. Ce n'est pas comme ça qu'on motive quelqu'un. Il y a trois leviers, enfin, il y en a plusieurs, hein, mais moi, j'ai choisi trois leviers de motivation qui sont des leviers psychologiques que l'on va directement développer. Donc, en résumé, au moins on en dit, au mieux, parce que tout ce que tu vas dire peut se retourner contre toi. Tu es en prise de mandat. Tu vas dire à quelqu'un, écoute, il va falloir ranger votre intérieur. Qu'est-ce qu'il comprend ? Quoi, ma maison est moche ? Mais si tu n'es pas convaincu que ma maison est bien, je ne te la confie pas. C'est un peu comme si on regardait tous les agents qui sont qu'on allumait. On ne va pas le faire, je vous rassure, mais qu'on allume maintenant toutes les caméras et que moi, je me permettais de dire un tel, hop, relooking, rangement, coiffure et mais qui tu prends ? Voilà, donc jamais tu n'auras envie de travailler avec moi parce qu'in fine, il faut donner envie aux gens de travailler avec nous. Donc, c'est important. Et le premier truc avant de rentrer dans les trucs psychologiques, c'est d'en dire le mal le moins possible. Parce que les gens, autrement, vont être fâchés sur toi, tout simplement. On va faire en deux étapes dans ce cas-là. Si je comprends bien, c'est que dans un premier temps, il faut bien sûr gagner le mandat. Et ensuite, on va faire ce travail, j'imagine. C'est ça Mais moi, honnêtement, alors chacun a sa technique pour la prise de mandat. Moi, je prends beaucoup de temps à la prise de mandat. Enfin, beaucoup de temps. Une heure, pour moi, c'est déjà beaucoup. une heure et demie, où j'explique quand même ce que l'on va faire. Enfin, je t'explique maintenant comment je procède. Je le fais quand même lors de la prise de mandat, avec une certaine intensité en fonction du profil. Parce que si tu ne dis pas ce que tu vas faire, les gens ne vont pas comprendre. Et puis aussi, à un moment, c'était aussi une façon de justifier ta valeur ajoutée. Parce que je ne sais pas comment font les autres, mais moi, prendre un mandat sans expliquer ce que je fais, sans expliquer ma valeur ajoutée, tout ce que je fais, en quoi je suis différenciante, hein. Voilà, à part s'ils ont vraiment envie de travailler avec Evelyne, ça ne suffit pas. Hein. Donc, alors on y va. Pour motiver les gens, et ça vaut aussi pour d'autres choses, mais aujourd'hui, on se concentre sur ranger, il y a trois leviers psychologiques. Le premier levier pour motiver quelqu'un, c'est le visuel. Le visuel, le visuel, le visuel. Tu montres un visuel à quelqu'un, ça te crée un choc émotionnel. Il y avait, véridique, une société, un centre sportif qui avait fait une publicité pour motiver les gens à venir faire du sport. Ils avaient fait une photo d'une personne vraiment en surbonpoint, en surpoids et en petit maillot et autres. Et je ne sais plus quel était le slogan, mais c'était super accrocheur. Mais d'ailleurs, je n'ai pas retenu le slogan, mais j'ai retenu l'image. Donc, pour créer un choc visuel, un choc émotionnel, ce que je fais, moi, lors des visites, j'explique aux gens qu'aujourd'hui, 94% des transactions passent par Internet. Il faut aussi oser dire les choses. Les clients ne sont pas bêtes, quoi, tu vois. Ils savent bien qu'aujourd'hui, le net est là partout. Et je leur dis, écoutez, 80% de la communication, elle est visuelle. Alors, c'est important de ne pas trop parler et de leur poser des questions. Moi, j'aime bien leur dire, ben, quand vous recherchez, par exemple, vous avez certainement cherché récemment, comment est-ce que vous avez regardé sur les sites et quand vous allez dans une agence, qu'est-ce que vous regardez? Ah ben, je regarde les photos. C'est humain, ils te donnent la réponse directement eux-mêmes. Donc, aujourd'hui, 80% de la communication passe par les photos et on n'a pas beaucoup de temps pour vendre parce qu'il y a tout le temps des nouveaux biens qui arrivent. Or, la problématique que l'on rencontre en immobilier, c'est que les photos sont dévalorisantes. Je vous montre. Là, je te le fais comme je le fais en prise de mandat. Laissez-moi prendre une photo rapide, hein, ce n'est pas une photo pro, hein, de votre intérieur. Je prends mon portable, mon smartphone, je me lève, hein, souvent dans le séjour, la caisse qui parle le plus. Je clique sur mon téléphone, je vais prendre la photo, parce que je l'ai fait avant. Et je fais une petite photo d'intérieur, clac, et je leur montre leur séjour. Je peux te dire que là, la plupart du temps, ils ont un choc. Et je leur explique, c'est normal. Votre séjour de 50 mètres carrés qui est dans une photo de 6 ou 8 cm carrés, c'est d'office sombre et d'office dévalorisant. Et là, en général, et si tu connais la technique, c'est le silence. Et tu t'arrêtes. Tu sais, déjà, ils sont sous le choc. Ils se rendent compte que ce n'est pas la septième merveille du monde, qu'ils vont devoir faire quelque chose. Ça, c'est vraiment une technique qui marche à fond. Et ça n'est pas agressif. Tu fais une petite photo, tu montres. Et puis, ce qui fait qu'après, tu arrives en sauveur, puisque tu as la solution. Donc, les photos sont d'office sombres et encombrées, hein, 50 mètres carrés dans 8 cm carrés, ce qui va très vite t'amener au fait qu'il va falloir exagérer l'espace. Moi, j'utilise ce terme-là. Parce qu'autrement, si tu n'exagères pas l'espace, si tu n'enlèves pas certains objets, on ne voit rien. Donc, lors du shooting, ça, c'est le niveau le plus simple pour ne pas effrayer les clients, ne pas leur faire pas perdre le mandat. Mais je dis, écoutez, lors du shooting pro, sous-entendu, je fais un shooting pro, je me permettrai, avec votre accord, de déplacer des objets et de les remettre. Et voilà, les photos, ce sera déjà parfaitement en ordre. Alors, évidemment, c'est aussi intéressant pour les visites.
j'amène déjà le rangement pour les visites. Et là, je me lève. C'est aussi important que le visuel, tu vois, il faut théâtraliser. Je me lève, je me mets debout, je dis, écoutez, quand on vit, voilà, vous êtes 5 dans la maison, hein, vous êtes répartis dans la maison, le séjour et les chambres, mais quand on visite, moi, je suis là, j'ai le couple, j'ai les enfants, j'ai la famille, les grands-parents, on est parfois à 4, 5, 6 au même endroit puisqu'on visite pièce par pièce. Et donc, on a ce sentiment que la pièce est, on est étriqué, que la pièce est trop petite. Or, les gens, souvent, la plupart du temps, ils achètent pour plus grand. Donc, s'ils se sentent à l'étroit, ils n'auront pas envie d'acheter. Donc, on va un peu exagérer, c'est pas le but de tromper, mais on est obligé de le faire pour que la visite soit fluide. Ça, c'est quelque chose que les propriétaires comprennent tout à fait. Je ne touche pas, je ne critique pas leur intérieur, j'explique les techniques immobilières. Et puis aussi, de nouveau, c'est une façon de montrer ta valeur ajoutée d'agent immobilier, qu'il y a des choses à faire, que c'est un vrai métier. Coucou Anne. Anne vient d'arriver, on veut faire un petit récap. Donc, ce qu'on fait surtout, c'est qu'on ne le dit pas. En tout cas, si on veut convaincre les propriétaires de ranger, surtout on ne leur dit pas au début parce qu'on risque de perdre le mandat parce qu'ils pourraient le prendre mal. C'est ce que j'ai retenu. Tout à fait. Et on va plutôt avoir une approche indirecte. Donc, on va poser des questions, ce que j'ai compris. Oui. On va faire des photos, une photo avec son partenaire. D'abord, oui, tout à fait. Poser des questions pour qu'ils comprennent comment les gens surfent, comment est-ce que vous vous faites quand vous cherchez un bien. Voilà. Et puis leur montrer un visuel pour créer un choc. Un visuel, comme on prend une photo dans l'appartement pour leur montrer ce que ça donne. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne si c'est pas rangé. Alors, pas la photo super éclairée, super blanche et autre. Quelque chose qui leur font comprendre vraiment que c'est dévalorisant, à leur désavantage. Donc, on le fait de façon indirecte et on exagère l'espace. Alors, ça, c'est pour. Alors, quand on va exagérer l'espace, ça, c'est après, c'est la phase d'après, c'est quand on améliore l'intérieur. Même pour les photos, parce qu'en fait, moi, je leur dis, écoutez, voilà, lors du shooting, avec votre accord, je me permettrai d'enlever, ça prend plusieurs heures, de nouveau aussi. Si tu fais un shooting en 15 minutes, les gens, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'un agent? Si tu fais juste clac, 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 il faut aussi justifier ta valeur. Moi, je leur dis, lors du shooting, avec votre accord, je me permettrai de déplacer des choses et de les remettre directement. Ça, c'est pour les gens qui ont le plus peur. Tu expliques ce que tu vas faire. Voilà. Et c'est vraiment pour les aussi que c'est avec leur accord et qu'ils ne s'effraient pas non plus. On ne va pas retourner la maison comme Stéphane à Plaza, parce que ça, les gens ont peur. Et donc, c'est important de les rassurer. Et pour ceux qui sont, quand je vois qu'ils sont bien à l'écoute et qui me suivent, en fonction du profil, alors je peux leur dire carrément, lors des visites aussi, ça a son importance. Donc, tu as toujours le niveau du marketing et puis le niveau des visites en fonction du client. Très clair. Donc, on y va de façon indirecte. On fait une photo, pose des questions pour un peu les mettre un peu dans une situation où ils seraient eux-mêmes acheteurs et tout à fait. Réaction. Très clair. Très bien. Alors, on n'a pas encore parlé des profils. Ah non, on n'y est pas encore. Attends, ça, c'est le premier levier. On est à l'introduction. Donc là, première technique. Donc, première technique psychologique pour convaincre quelqu'un, le choc, donc un choc émotionnel qui se crée par un choc visuel. Choc visuel, la photo dans l'appartement et c'est un choc. Voilà. Pas toujours un choc, ça peut être une belle photo. Voilà, donc autrement dit, faites-le avec vos enfants. Leur chambre, c'est le bordel. On est en plein Covid, faites une photo, vous allez voir l'impact que ça a. C'est très amusant, testez sur les enfants. Moi, je le fais tout le temps. Donc, premier choc, première façon de motiver, de convaincre quelqu'un, créer une émotion, un choc via le choc visuel. Deuxième façon de motiver quelqu'un, c'est le faire passer à l'action. De nouveau, si tu dis à ton enfant « range ta chambre », allez. Si tu commences à ranger avec lui, tu verras qu'il s'y mettra. C'est la même chose pour travailler. Mets-toi, travaille, étudie, ne le fais pas. Va avec lui à son bureau, fais-le prendre le premier pas, ce qui coûte. Dans le fait de faire quelque chose, c'est toujours le premier pas. Quand tu n'as pas envie de travailler, le plus dur, c'est de s'y mettre. Et une fois que tu y as mis, hop, t'es lancé. Alors, comment est-ce que je les mets dans l'action? Soit, pour les plus frileux, je le fais juste le jour du shooting, où je bouge des choses, et ils le font avec moi. Et puis, même souvent, ils vont plus loin. Et je leur fais aussi venir voir derrière la caméra ce que ça donne. C'est important de garder ce côté action, on bouge, ludique, on s'amuse, Et quand ils viennent voir, donc on fait une photo avant et une photo après, ils ont tout de suite compris. C'est juste qu'avant, ils ne se rendaient pas compte. Et alors là, ils sont partis. Je peux te dire, souvent, je ne sais pas les arrêter. Ils y vont. Dis ça quand, tu fais ça pas au tout début, pas dans la prise de mandat. Lors du shooting, photo. Ah, oui, d'accord. Parce qu'à la prise de mandat, je leur explique ce qu'on va faire. Si tu penses que les gens l'ont fait quand ils reviennent, non. Non, la plupart d'entre eux ne font rien. Lors du shooting, tu mets la main à la pâte, tu ne leur demandes pas de faire, tu le fais.
Oui, pourquoi aussi, nouveau une technique, hein, sachant que mes clients peuvent voir ce replay, chers clients, mais quand même, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que comme ça, alors vous êtes choqués, mais comme ça, ils voient l'agent travailler. Il faut bien se rendre compte qu'on a une image désastreuse, je suis désolée, hein, dans Non, l'étude de marché, je ne suis pas forcément voilà. d'accord avec Et donc, c'est important de changer cette image. Et quand les gens te voient travailler, parce qu'ils pensent qu'on ne fait rien, qu'on passe nos vies sur les terrasses, par exemple, en train de prendre un verre, alors qu'on travaille comme des malades, là, c'est les seuls moments où ils te voient vraiment travailler, où ils voient tout ce que tu fais pour eux. Et comme tu leur donnes, au moment où toi, tu vas leur demander quelque chose, tu me vois arriver. Si le prix est trop élevé, il va falloir le diminuer. S'il y a des choses qui ne vont pas, il va falloir en parler. Ils seront plus à l'écoute. Donc, moi, j'essaie de voir, ça fait partie de ma personnalité. En général, je donne. Et évidemment, quand je vais revenir vers eux, si j'en ai besoin et que je leur demanderai quelque chose, ben, ce sera beaucoup plus logique. Ce n'est pas, voilà. Ils m'auront vu aussi travailler parce que la problématique, je fais une parenthèse, mais la problématique quand le prix est trop et qu'on veut le baisser, parce que honnêtement, je suis une dingue du juste prix, mais moi aussi, j'accepte des mandats trop parce qu'autrement, si ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Donc, je leur dis mon juste prix, mais après, je suis toujours, j'accepte toujours d'essayer plus haut et parfois on vend, et même souvent aujourd'hui avec ce marché. Donc, je ne dis jamais non. Mais je sais que je vais peut-être avoir besoin de descendre le prix si nécessaire. Et le fait qu'ils m'aient vu travailler avec eux et qu'on ait créé aussi cette relation, combien de fois on doit se voir pour créer une relation? 3 fois. Parce qu'autrement, tu prends le mandat, tu mets en vente et tu fais les visites, ils ne t'ont même pas vu entre-temps. De créer cette relation, voilà. On est en train de faire quelque chose ensemble. Donc, bouger les choses lors du shooting, moi, j'ai jamais eu un client qui m'a dit non. Et ça permet de faire des chouettes photos. Ça permet de créer du lien aussi, ça permet de créer du lien avec Tout à le fait. client. Oui, Je sais pas ce qui peut se passer. créer du lien. Oui, c'est vrai, c'est vraiment chouette. Enfin, moi, oui. Et alors, l'autre niveau, si tu sens que les clients, ça les amuse, hein, on le rencontre sur les profils, qu'ils sont demandeurs, moi, ce que je fais, et qu'ils aiment les surprises, ce que je fais souvent avec ces clients-là, c'est que j'arrive, parfois à l'improviste, où je demande si je peux passer dans une demi-heure, et j'arrive avec des boîtes en carton, genre jeux de cartes ou autre. Je viens et je leur offre. Je viens avec, je dis voilà, je vous ai pris quelques boîtes. Pourquoi? Parce que c'est souvent aussi bête que ça. Les gens ne rangent pas parce qu'ils ne savent pas où mettre les affaires. Et donc, moi, j'aime bien l'expliquer aux gens. Parfois, je le fais en prise de mandat s'ils sont fort ouverts. Je dis voilà, vous voyez très bien, s'il y a des choses que vous n'avez plus utilisées depuis 4 mois, il hein, faut être factuel, ben, vous pourriez les mettre dans des boîtes. Je vais vous en apporter quelques-unes et les mettre par exemple dans le garage. Parce que le garage est la pièce que les acheteurs, les amateurs comprennent le plus facilement. Il ne faut pas les mettre dans une chambre, hein, sacrifier une chambre, ça valeur d'un bien. Mais le garage, si tu ranges bien toutes tes boîtes, et on sait mettre quasi une maison dans un garage, c'est impressionnant. Et donc, et les clients, souvent, et vous verrez qu'ils vous remercieront après, à la fin du mandat, quand ce sera vendu, et n'oubliez pas qu'une bonne vente, c'est déjà un nouveau mandat spontané qui arrive, une recommandation, ils me disent souvent, ah ben, heureusement qu'on a fait ça maintenant, parce que si on avait dû le faire après, ça aurait été vraiment dur, dur. Donc, je leur apporte des boîtes. Soit ils le font, mais souvent de nouveau, je les mets à l'action. Au début, je commence par la cuisine, hein, des choses pas trop intimes. Et je dis souvent à madame, regardez tout ce qui est au-dessus des armoires. Ça, je l'explique aussi. Tout ce qui est au-dessus des armoires, ben, les gens aussi, qu'est-ce qu'ils disent? Ah ben, l'armoire est trop petite, la cuisine est trop petite, la maison est trop petite, j'achète pas. Et ce qui est au-dessus des armoires, vous l'utilisez pas souvent? Ben non, ben, allez, on va les mettre dans les boîtes. Et tu commences. Et souvent, quand je reviens la fois d'après, ils sont déjà bien plus loin dans le rangement. C'est magique. C'est juste mettre les gens à l'action et le faire de nouveau avec la bonne humeur. Hein, Donc, effectivement, le faire avec eux, le choc visuel, le faire avec et les mettre dans l'action. Ça, c'est clair. Ça, j'ai compris. voilà. Et ça fonctionne. C'est quoi le taux, le pourcentage de réussite? Ça fonctionne toujours ou il y a quand Ah même des... ben oui, si tu t'adaptes au profil, on y viendra après. Alors, on y est. Voilà. Est-ce que j'ai déjà eu un résistant? Je vais réfléchir. Laisse-moi quelques minutes. Donc, 3 leviers pour motiver quelqu'un. Le premier, c'était le choc émotionnel avec le choc visuel. Le deuxième, c'est mettre les gens à l'action, soit lors du shooting, soit de les faire emballer. Et le troisième, c'est d'avoir, alors, ça va vous paraître bête, mais c'est super important, un objectif clair, Ah. simple, atteignable. Parce que les gens ont peur, quand on leur parle de home staging ou de rangement ou autre, ils ont toujours l'impression, ils voient les émissions avec Stéphane, c'est super, parce qu'au moins les gens comprennent qu'il y a des choses à faire, mais ils ont même peur qu'on retourne. L'on retourne toute leur maison. Moi, j'aime bien lors de la prise de mandat, ou ultérieurement, mais souvent même lors de la prise de mandat pour montrer toute ma valeur ajoutée, je leur montre déjà un avant-après d'un autre projet, une autre maison. Tu vois, j'ai toujours, je sais pas moi, 5 avant-après avec moi, et en Bonne fonction idée de ça. leur plan, j'essaie de prendre quelque chose d'assez similaire, je leur montre. Et là, de nouveau, choc émotionnel, mon dieu, ça peut devenir ça. Donc, ça marche assez bien. Et aussi, j'aime à leur dire ou leur montrer aussi la photo d'une chambre d'hôtel.
c'est quelque chose que les clients comprennent très bien. Ça veut dire qu'on ne critique pas leur chambre, on ne critique pas leur maison, mais voyez une chambre d'hôtel, quand vous entrez, tout est bien rangé, ça n'est pas froid non plus, hein, on n'enlève pas tout, il y a un plaid, il y a je sais pas, une petite fleur, voilà. L'objectif, c'est la chambre d'hôtel. Et donc si au jour d'aujourd'hui où tout le monde est dans le Airbnb et autres, ben, tout le monde le comprend. Donc, leur laisser en mémoire l'objectif, c'est la chambre d'hôtel, ça, ils le comprennent. C'est simple, facile, efficace. Okay. Et le rappeler à la fin, parce que moi, j'aime bien terminer par une note positive, que comme aujourd'hui, tout passe par le visuel, parce qu'on a une photo vraiment pro, nickel, rangée et autres, on attire plus d'amateurs et qu'il vaut mieux avoir 30 visites en un ou deux week-ends que 30 visites en 3 mois. Donc, de stimuler le marché des photos vendeuses, ça accroche beaucoup de monde. On va beaucoup plus vite. Ils ont un intérêt, effectivement, parce que ça va aller plus vite. Et voilà, ça va valoriser le bien. Thibaut, je vais me faire une parenthèse. Moi, je pense que c'est quelque chose que j'entends souvent de la part des agents, et il me semble que c'est une erreur de communication quand les agents, enfin, quand certains confrères mettent vendu en 24 heures, vendu vite. Pourquoi ? Parce que dans l'étude de marché que j'ai réalisée il y a 15 ans, c'est une question aussi qui est revenue. Si tu vends vite, c'est que tu n'as pas travaillé. Et c'est que tu as vendu trop bon marché dans le collectif voilà. Oui. Donc, je n'argumente jamais sur le vite, mais j'aime bien utiliser la peur. Hein. Désolée, mais c'est comme ça qu'on motive quelqu'un avec la peur et pas avec le positif. La preuve en est que le Covid. Et donc, comment est-ce que j'utilise ça ? C'est que je leur explique beaucoup de choses quand même. Il y a des choses que j'explique un peu plus théoriques lors de la prise du mandat. C'est qu'aujourd'hui, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de leur dire, c'est qu'aujourd'hui, une vente, statistique à l'appui, en Belgique, on a des graphes, j'imagine que vous devez en avoir, une vente, elle se réalise en 2 à 3 semaines. Tous les pros, on sait bien, à part les biens atypiques, hein, mais on sait très bien que ça part tout de suite. Pourquoi ? Parce que quand on met un bien en ligne, les gens reçoivent tout de suite des alertes, parce que les amateurs, ils encodent leurs critères. Et donc, tout marché a directement le bien en ligne, voilà, directement l'alerte, ils le regardent. Et donc, les gens qui sont réellement à l'achat, ce sont les gens qui vont réagir tout de suite, forcément. Et ce sont les gens qui sont réellement à l'achat qui vont faire les meilleures offres. C'est d'ailleurs pour ça, monsieur le propriétaire, madame la propriétaire, que les meilleures offres sont toujours au début. On a 2 semaines, 3 semaines, un mois grand maximum pour vendre votre bien. Après, qu'est-ce qui se passe ? Ben, les gens se disent, oh ben, t'as vu, chérie, le bien toujours à vendre, oh ben, il doit y avoir un problème ou il est trop cher et on en arrive dans les biens brûlés. Donc, faire peur aux propriétaires, mais il y a une manipulation avec un objectif honorable parce que de toute façon, c'est dans leur intérêt. Leur faire peur, leur faire comprendre que si on n'a pas ce charme de la nouveauté les 2-3 premières semaines, leur vente, elle est… Très claire. Voilà. Et ce charme-là, il faut mettre tous les avantages effectivement possibles, donc de ranger l'appartement. Et donc, c'est bien l'objet de la discussion du jour. Alors, les profils quand même. Alors, parce les profils, voilà. Un peu général finalement là. Notre approche a été un peu générale. Oui, mais bon, si tu es déjà à ce niveau-là, c'est déjà pas mal. Hein. Non, c'est vrai. Franchement, je respecte. Oui. Hein. Je me suis débrouillée avec ces 3 leviers-là, le visuel, l'action et l'objectif de la chambre d'hôtel pendant des années. Mais c'est pas mon dada, c'est le faut se faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore des photos parfois qui ne sont pas aussi bien qu'elles pourraient être. C'est vrai. C'est catastrophique. Hein. Il y a de l'amélioration, soyons indulgents. Oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a encore moyen de s'améliorer, en tout cas. Voilà. Oui, tout à fait. Alors les profils. Je commence donc, je rappelle pour ceux qui n'est pas là à l'échauffement, avant qu'on commence, qu'il y a 4 grands profils, et principalement 2 profils extravertis, 2 profils introvertis, et qui se croisent avec le côté rationnel humain. Bref, j'attaque directement regardez le replay de la formation précédente. Les entrepreneurs, c'est le profil qui est extraverti et qui est orienté, qui est rationnel, orienté tâche. Ce qui compte, c'est le résultat. C'est souvent des chefs d'entreprise, des commerciaux, beaucoup d'agents immobiliers le sont. Hein. C'est des gens qui sont dans l'action. C'est des gens, pour les faire ranger, pour l'homestaging, qu'il ne faut absolument pas emmerder avec tout ce qu'on va faire et tous les détails. Ils s'en tapent. Ils s'en tapent complètement et même ça va les énerver. Si tu commences à lister tout ce qui ne va pas dans sa maison, ben tu le perds, alors tu perds le mandat. Ce sont des profils avec lesquels il faut directement dire, voilà, moi j'ai la solution, laissez-moi m'en occuper, ça ils adorent déléguer, voilà ce que je vais faire et orienter la discussion sur le résultat, ça nous donnera des meilleures photos, plus de likes ou plus de vues sur le net, voilà, ou plus de stimulation sur Internet. Donc ces personnes-là, en fait, c'est des clients qui sont extrêmement faciles et qui te laissent tout faire. Moi, j'adore. Enfin, je pense qu'ils sont tout de suite convaincus, en fait, de l'intérêt. Ils sont tout de suite convaincus. Et alors, moi, ce que j'aime beaucoup,
J'ai encore eu le cas ce matin, c'est des clients avec qui tu peux te battre. Donc, c'est des clients qui aiment, qui savent entendre la critique. C'est des clients, si tu leur dis, écoutez, ça et ça, ça ne va pas, hein, votre cuisine, là, ou votre chambre, c'est quoi ça? C'est des clients qui savent l'entendre et que, au contraire, en général, ils apprécient que vous osez mener, ils n'ont pas l'habitude d'être menés. Et donc, faut les recadrer. N'ayez pas peur de cadrer les enfants. Alors, il faut avoir une solution, parce que franchement, c'est... Oui, laissez-moi faire. Voilà. Que tu aies le go et que tu puisses t'en occuper. Ce qui m'amène au profil suivant. Facile, les entrepreneurs, facile. Donc, hein, les faciles. Facile, les entrepreneurs, c'est les meilleurs clients. Les relationnels, ce sont donc les personnes qui sont extraverties et beaucoup plus humaines. Beaucoup d'agents, alors quand je dis agents immobiliers, mandataires, négociateurs, on s'en fiche, sont également dans ce profil. Ce sont donc des personnes qui sont dans le relationnel, dans l'humain, dans l'apparence, hein, enfin dans son apparence, pour s'habiller, le portable que l'on a, les dernières tendances et autres. Donc, pour les toucher, il va falloir les amuser. Ces clients-là, c'est les meilleurs, je fais la parenthèse, les meilleurs clients pour avoir des mandats spontanés. C'est les clients qui recommandent le plus. Alors, si vous voulez marquer des points, donc, c'est les clients qui n'aiment pas travailler. Hein. Ils ont beaucoup d'idées, mais quand il s'agit de travailler, ils vous diront au contraire, ils ne sont pas là. Donc, c'est des clients pour les toucher, pour le home staging. Vous pouvez leur envoyer des vidéos, leur montrer. D'ailleurs, souvent, la plupart du temps, ils ont déjà regardé toutes les émissions de Stéphane. Et c'est des clients que vous allez toucher, par exemple, aussi avec des mots comme « c'est la dernière tendance ». Par exemple, moi, j'aime bien utiliser le « garden staging », donc le home staging des jardins, qui est très tendance avec les COVID. Mais ça leur parle, en fait. Parce que ranger, tu peux ranger l'intérieur, on n'a pas encore abordé ce point-là, mais ranger l'extérieur, pour moi, ça, c'est le challenge maintenant avec le COVID. C'est d'avoir des extérieurs, mais nickel. On a encore plein de choses intéressantes. On nous rejoint encore. J'avance. Mais on aura le temps pour les répondre aux questions. Ouais, je suis résumé. C'est mon côté jaune. Et donc, j'aime bien leur parler de dernière tendance. Je viens de le faire pour une maison. Donc, ça les amène. Là, carrément, les clients ont investi. Ils ont compris qu'il valait mieux avoir une chouette pelouse roulée que des plantes partout. Et... voilà, la dernière tendance, c'est le garden staging, parce qu'avec le COVID, les gens sont très sensibles. Ah oui, donc là, ils comprennent aussi leur intérêt. Par contre, comme ils n'adorent pas travailler et qu'ils sont très créatifs, c'est aussi intéressant qu'ils aient l'impression que ça vienne aussi d'eux et qu'il y ait un vrai échange, un brainstorming. Ces clients-là sont adorables, c'est des clients, franchement, j'ai envie de passer une soirée avec eux. Une fois que tu les as mis dans le trip du rangement, ils viennent avec des nouvelles propositions. Moi, j'ai une cliente hier qui me dit « Ah, Evelyne, on a enlevé tous les moustiquaires qui étaient défraîchis. » Formidable. Enfin, c'est chose pas trop demander non plus. Autrement, tu les perds de nouveau. On prend une juste mesure. Et donc, ils sont partis. Ils comprennent comment ça marche. Et alors, ils s'amusent. J'avais une cliente qui était relationnelle, mais aussi analytique. Si tu te souviens, j'ai dit qu'il y a un profil très particulier de gens qui sont très analytiques, mais en même temps qui ont ce côté relationnel. Et ben elle, à la fin du home staging, du rangement et du shooting qu'on avait fait, pendant le shooting, elle me dit « Oh, c'est bien amusé hein. !» Je n'ai pas arrêté de travailler pendant des heures, je suis en nage. Oui, on s'amuse, enfin moi c'est du boulot. Hein. Mais pour les clients, c'est un peu comme dans les émissions. C'est très important de garder ça dans l'amusement. Et lors de la prise de mandat, je raconte énormément d'anecdotes avec ces clients-là. C'est important d'aller chercher dans les histoires qu'on a vécues, ça sonne tellement vrai. Oui. Et puis, Madame Moudel, sans donner le nom, et voilà ce qui s'était passé. Ce que je viens de t'expliquer, je vais certainement l'expliquer lors d'un prochain mandat. Et alors aussi, là, ils sont sensibles. Hein. Ce n'est pas l'argument que j'utilise le plus, mais après, vous pêchez dans ce que je vous donne. C'est de leur dire, écoutez, les photos vont être nickel, dignes d'un magazine de décor. Je ne sais déjà plus. Et puis, imaginez, tous vos amis, quand ils vont voir les photos, parce que le regard des amis, c'est fondamental pour eux, ce que l'on va penser d'eux. Et alors, c'est des clients qui comprennent très bien l'art de recevoir. Des clients comme ça, qui sont adorables. Tu arrives, il y a du thé, il y a des petits boudoirs. Enfin, vraiment l'art de recevoir et donc de préparer un peu comme chez Ikea, même si c'est peut-être un peu plus basique, sans critiquer Ikea. Mais tu sais, tu as le lit, tu as le plaid, tu as le plateau, tu as le café. Il y a une mise en scène, c'est ça finalement. Donc, tu peux aller plus loin que simplement le rangement. Parce que ranger, ce n'est pas très fun. Hein. Mais si tu leur fais aller vers la décoration, la mise en scène, ils seront obligés de ranger. C'est ça la magie. Et d'ailleurs, pour tous les clients qui rangent, après, ils sont obligés ou pendant de nettoyer. Parce que les maisons sont dégueulasses. Voilà. Alors, ce sont des clients, attention, qui sont très dissipés, les relationnels. Ça part pam, pam, pam dans tous les sens. Et donc, c'est important de bien revenir voir ce qu'ils font, de bien les cadrer. Prenez quelques heures pour le shooting.
Alors, c'est quelques heures. Donc, il faut programmer quelques heures. Donc, finalement, c'est pas aussi un moyen de. J'imagine qu'ils gardent ce rangement après, en fait. Finalement, c'est un Oui, peu comme. oui, oui. Et C'est puis c'est presque un une jeu, hein. prestation. C'est presque une prestation. C'est pas. Enfin, la maison va être vendue, bien évidemment. Mais finalement, ils le prennent comme un amusement. Il faut que ce soit un peu Oui. Alors, qu'ils prennent du plaisir, je sais pas. Mais en tout cas, qu'ils apprennent quelque chose. C'est un peu ça. Oui, ben les jaunes, ils prennent des relationnels, ils prennent du plaisir. Alors, c'est vrai que souvent, quand je reviens, parce qu'il y a un délai entre le moment où tu fais les photos et tu fais les visites, parfois il y a un peu de désordre, mais je repasse avec eux. Ou alors, ils se disent, ah oui, je dois faire comme on avait fait. Je leur dis, ben, pensez à ranger les brosses à dents, les savons, quelques petites consignes. Voilà, d'être un peu leur coach, hein, Bon, qui moi je prend un pense que rôle, hein. sur les deux profils extravertis, donc entreprenants et les relationnels, donc les jaunes, hein, on a les rouges et les jaunes, qui sont extravertis, c'est quand même relativement facile. Ah oui, mais ça, c'est les meilleurs, les extravertis. Comment on les reconnaît? Parce que là on en parle, mais comment on les reconnaît véritablement? À part leur Ah demander ce qu'ils font dans la vie. Ça, on en avait ouais. parlé. Tu Ça vois, pour dit dire. déjà beaucoup. Mais les entrepreneurs, c'est quelqu'un, ils t'appellent déjà, ils ne vont pas t'envoyer des messages. Ils t'appellent, ils téléphonent ces gens. Tu vois, c'est tac, tac, tac. Ils n'ont pas le temps d'envoyer un mail. Ils appellent, ils téléphonent et tu as intérêt à dégainer. Et puis, Donc ça, on les reconnaît comme ça. ce sont des gens qui parlent, voilà, on les deux parlent beaucoup, de toute façon, les extravertis. Mais tu sens qu'ils sont assez directifs dans leur façon. Bah, tout à l'heure, les clients que j'avais en ligne, ils commencent à parler, à m'expliquer. Bah, oula, donc, je lui demande, laissez-moi parler. Mais tu vois déjà qu'il est très directif dans sa façon de faire. Côté extraverti, comment est-ce qu'on dissocie les deux? Le rouge est très directif, voire autoritaire, et très franc. Hein. On ne met pas les formes. Hein. Ce que vous avez fait, ou ça, je ne suis pas d'accord. Bah, moi non plus, on va en discuter. Pas trop avec eux. Mais ils sont très directifs. En fait, les jaunes, les relationnels sont beaucoup plus faciles à repérer parce qu'ils sont très réseaux sociaux. Ils t'envoient par Messenger, ils likent ces trucs. Enfin, ça n'arrête pas, quoi. Ils sont extrêmement présents sur les réseaux sociaux. Ils sont assez faciles à voir. Et puis, tu vois, qui rigolent. C'est des gens souriants. Oui, voilà. Les entrepreneurs, pas des marrants, hein. Peut-être moins. Ah, c'est des gens qui sont focus. Ils ont du personnel. Ils doivent payer des salaires à la fin du mois. Résultat, les jaunes sont tout de suite riants. Ah, Evelyne, d'ailleurs, ils t'appellent même pas madame. En avant, on y va. Hein. Ah, Evelyne. Et voilà, ouais, j'ai une cliente, ben voilà, une future cliente qui m'a envoyé un message que je ne connaissais pas. On s'est rencontrés hier dans la rue. Elle me dit, ah là là, elle m'envoie un WhatsApp. Non, elle est déjà dans les jaunes. Donc Voilà. ça c'est facile. Donc de toute façon c'est facile avec eux. Alors il y a deux autres profils, hein, plutôt Ah introvertis, et c'est oui. plutôt là où Alors. il y a plus de difficultés. Ah mon Dieu, Madre mia. Alors, les côtés introvertis qui est relationnel, donc plus humain, ce sont les conservateurs qui sont des gens qui ne supportent pas le changement, comme souvent les introvertis, qui détestent déménager, alors imagine ranger. Et en plus, leur maison, les personnes introverties, c'est leur univers à eux. Ils sont moins ouverts, ils ont peur de l'extérieur. Toucher à leur maison, c'est toucher à leur personne. Bon, un petit peu. Et non? Ah oui, tu peux boire un petit peu, Evelyne, c'est important. Mon vice, Tu parles faut beaucoup en casser. même temps, donc c'est normal. Oui, hein, j'ai un débit. Et donc, avec les conservateurs, ce qu'il faut, c'est ne pas les brusquer. Ouais. Si j'avais un client conservateur devant Ouais. moi, je parlerais ainsi, beaucoup plus posément, calmement. Alors, pour faire les photos, j'aurais expliqué par avant tout ce que l'on doit faire. J'en dirais, écoutez, pendant le shooting, on va ranger quelque chose avec votre accord. Je vais bouger des objets et je vais les remettre si vous êtes d'accord. Et si vous êtes d'accord aussi, on peut-être ranger déjà dans des boîtes ce qui est au-dessus des armoires. Ça nous fera gagner du temps. Je peux vous aider. Pour eux, ce qui est important, c'est le travail d'équipe, le participatif. On travaille ensemble. On se met des étapes. Aujourd'hui, je vous explique. Je reviendrai dans une semaine faire ça. Et puis dans 2 semaines, on fera ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Pas de surprise. N'amène pas des boîtes de rangement par surprise pour leur faire plaisir. Tu ne leur feras pas plaisir. Contrairement au relationnel où tu peux apporter tous les cadeaux du monde. Ils adorent. Donc, avec les conservateurs, il ne faut pas les brusquer. Parce qu'on récupère le mandat. Eh bien, il faut un peu faire avec. Alors, ce sont souvent aussi des personnes qui n'ont pas des intérieurs modernes. Quand tu vends une maison en général aujourd'hui, ben, tu vends une maison pour des jeunes couples. Relativement jeunes, qui sont souvent invités par des personnes plus conservatrices ou âgées. Et donc, tu as ce décalage aussi de décoration. Donc, c'est vraiment Ah un oui. challenge. Mais une fois encore, je me dis, ce n'est pas grave si ce n'est pas à la mode. Pour autant que la photo soit propre, rangée, lissée, ce qui permettra aussi de faire des on-staging virtuels. J'en ai pas parlé au début. Parce que moi, mon objectif, c'est d'avoir des photos nickel. Pour souvent faire des on-staging virtuels, je fais de moins en moins du on-staging présentiel. Donc, voilà. Donc, ne pas les prendre au dépourvu. Ce sont des gens que, de toute façon, vont être à l'écoute. Et si tu y mets les formes et que tu ne les pousses pas trop loin,
Ce seront des gentils, ils vont te suivre. Ils ne seront peut-être pas enchantés, mais ils vont te suivre. D'accord. Donc, on adapte sa communication, c'est ça que je retiens. On pose sa voix, on va un peu moins vite, peut-être on prend un peu plus de temps. Et on, oui, avant de commencer, on leur demande l'autorisation. Tout à fait. Oui. Alors, ce qui nous amène aux fameux analytiques, le quatrième profil, les personnes qui sont introverties et hyper rationnelles. Alors, ces personnes-là, hors de question de communiquer verbalement. C'est un peu difficile pour prendre le mandat, mais quand même, tu as ce travail de préparation. Souvent, moi, c'est des clients pour avoir le mandat où il y a beaucoup d'échanges de mails avec des questions. Et il faut se faire violence, il faut y répondre, pas directement, parce que c'est des clients qui sont très énergivores. Et d'ailleurs, si tu réponds trop vite, ils ne vont pas aimer, parce que tu leur donneras l'impression que tu n'es pas réfléchi. Donc, moi, c'est des clients auxquels je réponds toujours à toutes leurs questions. Mais je ne les sers pas en premier. Je sers toujours les rouges en premier, les entrepreneurs. Parce que ceux-là, si tu ne dégaines pas dans l'heure ou dans les deux heures, tu es mort. Donc, les analytiques, ce sont des premiers de classe, des bons élèves. Souvent, de toute façon, ils auront déjà tout étudié. Et donc, il ne faut pas hésiter à leur envoyer des articles de presse sur le messaging. Toujours communiquer de façon écrite. Donc, vous envoyez par mail, vidéo. Oui, si tu veux jouer sur leur côté un peu relationnel, hein, l'autre partie de leur profil, mais... Moi, j'aime bien envoyer des articles de presse, ça, ils adorent. Hein. Il faut de leur donner aussi des chiffres. Alors, je sais que beaucoup d'agents n'aiment pas dire aux clients que l'home staging ou le rangement fait vendre 5% plus cher que ce que l'on aurait vendu parce que la majorité des propriétaires surévaluent leur bien déjà de 10%, quand c'est pas plus. Mais par contre, si tu ne veux pas utiliser cet argument-là, pourtant moi, je l'utilise, tu peux au moins insister sur la logique. Ce sont des gens qui comprennent la logique des choses. Un intérieur parfaitement rangé donne des meilleures photos, des photos désencombrées où on perçoit l'espace, des photos qui auront plus d'impact sur le net et donc où tu auras plus de visites et donc tu auras plus d'amateurs, le prix s'en ressentira à la hausse. Ils sont très logiques et si tu vas dans leur mode de fonctionnement, ils apprécieront. Ce sont des gens qui auraient extrêmement peur, d'introvertis en souvent peur. Et donc, c'est une bonne façon aussi d'argumenter sur le fait qu'on diminue les risques de la vente en préparant le bien. Ça, ils le comprennent tout à fait. Donc, si tu insistes sur le fait que des photos qui ne sont pas... Des photos qui ne sont pas hyper bien travaillées impactent le prix de vente ou simplement la vente ou le nombre de visites parce qu'ils sont mathématiques. Ils comprennent très bien qu'il vaut mieux faire 30 visites en un week-end que 30 en 3 mois. Ça leur parle. Donc, s'il faut vraiment aller dans leur mode de logique, de pensée, beaucoup par écrit. Et puis alors, voilà, ce qui est très amusant avec ces clients-là, c'est que souvent, comme ils sont bons élèves, en général, quand ils ont compris qu'ils ont accepté ton mandat, eh ben, ils ont fait tout le travail. Quand arrivent, ils ont tout fait. Non, des clients comme ça, ils avaient tout fait, ils ont tout compris. Ce sont des gens qui comprennent facilement ce qu'on leur demande. Voilà, avec qui tu peux regarder. Ils n'aiment pas qu'on leur montre leurs erreurs. Ça, pas trop insister s'il y a des choses qui ne sont pas bien faites, ils risquent de mal le prendre. Mais souvent, finalement, tu n'auras pas grand-chose à faire parce qu'ils vont vouloir, ils sont dans le contrôle. Hein. C'est des gens contrôlent énormément, ils vont le faire eux-mêmes. Ouais. Enfin, ils vont le faire parce qu'ils auront peur que tu abîmes, ils auront peur que ça se passe mal, voilà. Donc, ce sont des clients qui sont, je trouve, quand même ouverts au home staging, enfin au rangement, alors que de prime abord, je ne les trouve pas ouverts personnellement. D'accord, donc finalement, c'est des bons clients. Voilà, c'était pas forcément... Oui, finalement, tu vois, les clients sont des bons clients si on sait comment les prendre, en fait. C'est ça, la conclusion de tout ça, c'est que si tu arrives à communiquer et à adopter leur mode de fonctionnement les choses vont facilement. C'est ça la magie de travailler sur la psychologie et sur les profils. Donc, on a vu comment faire avec les différents profils. Ranger, c'est important pour toutes les raisons qu'on a pu voir. Tu as parlé rapidement du home staging virtuel. Tu l'as dit que tu faisais moins de home staging classique. Moi, je trouve ça intéressant. J'aimerais qu'on en parle quelques instants. Parce que moi, je connaissais le home staging tout court. Hein, voilà. Et là, on parle de rangement. C'est autre chose. C'est un peu différent. Tu dis que tu en fais de moins en moins. Et pourquoi ? Parce que je trouve que c'est une bonne piste, moi, de faire du home staging. Pour le coup, de redécorer un intérieur, ça coûte quoi ? Parce que c'est énergivore. Hein. Ça prend énormément de temps. Et parce que les photos ne seront jamais aussi belles qu'avec du home staging virtuel. Le home staging virtuel sur base d'une photo pro. Hein. C'est souvent le problème, c'est que la photo n'est pas pro. Moi, je travaille qu'avec des photographes pour mes photos. Un home staging virtuel sur base d'une photo pro, le home staging virtuel est digne d'un magazine de déco. Donc ça, sur Internet, ça percute. Le home staging que tu fais en live, sauf si tu fais appel à des pros du home staging comme tu en as en France, home stagiste, je crois qu'ils ont changé de nom, où là, évidemment, c'est nickel. Mais moi, quand je fais du home staging,
je fais de l'évocation, je ne vais pas les mettre en divan, je vais mettre en pouf, tu vois, parce qu'autrement, c'est une fortune et ça prend du temps et c'est un vrai métier. C'est très énergivore, c'est fatigant. Tu vas attendre non plus. Donc, j'ai déjà fait du staging dans des immeubles. Écoute, au troisième étage, je suis montée, descendue 100 fois. Bon, peut-être louer un lift, mais c'est vraiment très fatigant. Mais la vraie raison, c'est que honnêtement, les photos sont mieux avec du home staging virtuel. Alors, le nec plus ultra, c'est d'avoir les deux, évidemment. Faire un mix, les deux, tu vois. Par exemple, ici, la maison que je vais vendre, je fais du home staging virtuel pour l'intérieur, mais pour l'extérieur, on fait du vrai home staging. Donc, non, mais c'est intéressant, c'est qu'on est vraiment passé soit du rangement tout simple, soit du digital complètement. Et c'est intéressant. Voilà. Et pour toi, c'est la bonne approche. Alors, Thibaut, je me permets, je vois une remarque de Delphine. Très bonne question. On n'en a pas encore parlé. Delphine nous pose la question. Et les amateurs ne seront pas déçus en voyant la réalité par rapport au home staging virtuel lors des visites. Oui. Si. Et tu peux même perdre et avoir des amateurs virulents si tu n'incorpore pas dans ta publicité l'avant-après. Donc, au lieu de mettre le home staging virtuel, la photo, moi, j'incorpore dans la photo du home staging virtuel la photo de l'avant pour qu'en un seul visuel, ils comprennent bien que c'est une proposition. Je mets actuel dans l'avant, dans l'actuel, et possibilité dans le home staging virtuel. Et je mets après la photo en grand aussi de l'existant. Et alors aussi, ce qui m'amène à une autre remarque fondamentale, merci Delphine, c'est qu'il faut absolument, avant qu'ils ne rentrent dans la maison, diminuer leur niveau d'attente. Que ce soit avec du home staging virtuel ou des photos pro, parce que même sur les photos pro, c'est tellement beau, c'est tellement propre, bien rangé, lissé et droit. Alors que souvent, moi, j'ai des maisons qui sont abîmées, que quand tu arrives, tu te dis, mais c'est défraîchi, alors que les photos avaient l'air top. Donc, avant que les clients ne rentrent, je leur explique toujours qu'ils peuvent avoir l'impression parfois que les photos sont plus grandes. Ça n'est pas une volonté de tromper ou de déformer, parce que pour la plupart des gens, les agents, nous sommes des voleurs, des menteurs, pour en être conscient. Mais que si on fait une photo normale dans une salle de bain, on ne voit que le robinet, on a détendu l'atmosphère, tout le monde rigole. Et que aussi par rapport aux photos qui sont présentées, ça donne ce que cela pourrait être. Et donc, l'astuce, moi, j'imprime toujours les home staging virtuels où tu prends une tablette et je les mets dans chaque pièce où j'en ai fait. Alors, je ne fais pas toutes les pièces, mais souvent, j'agrandis en 3D et je mets ça dans un tableau que j'achète chez Ikea et je laisse dans la pièce. Parce que moi, je ne fais pas la visite avec les gens. Je ne vais pas leur dire ceci est une cuisine. Donc, ils font la visite de la maison et ils peuvent aussi regarder. Ils ont l'après devant les yeux. J'ai eu souvent des clients qui m'ont dit si vous n'aviez pas fait ça, on n'aurait pas acheté. Si vous n'aviez pas fait le home staging ou le home staging virtuel, on n'aurait pas acheté. Ne se projette pas. Je vois que Delphine écrit, donc je... merci, avec grand plaisir. Mais ça, c'est vraiment un super truc psychologique de nouveau, de diminuer l'attente des amateurs avant qu'ils ne passent la porte, parce qu'autrement, ils vont être déçus, il n'y aura pas d'offre. Et en ayant diminué l'attente, ils leur disent, écoutez, vous savez, la maison, elle est vieille, il faudrait la rénover. Aussi, dans les descriptifs, moi, dans le texte, en général, je mets des choses très négatives. Quand ils viennent, ils disent, ça va, alors... Donc, on joue sur les deux quand même. Donc, donc c'est à la fois du rangement, du home staging, un peu moins, mais du home staging virtuel pour valoriser le bien. En même temps, on descend les attentes. C'est vraiment un jeu psychologique finalement. Ah oui, tout le temps. C'est que de la psychologie. Pour moi, la vente, pour moi, l'agent du futur, c'est celui qui va être, outre qui doit être à la pointe de ce que les services proposés dans le secteur, mais l'humain fondamental. Je pense que tout bon commercial, c'est ça. Mais parfois, il y a des petits trucs qui marchent bien. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est aussi de partager ces petits trucs en espérant que ça profitera à d'autres. Je vois encore d'autres questions. Je vais la lire. Caroline, vous dites que vous ne faites pas la visite avec les clients intéressants ou partagez votre approche. Je ne sais pas si on peut, Thibault. Moi, je viens de donner le contenu de ce que je voulais donner. Est-ce que je peux répondre? Avec plaisir. Oh là là, vous n'avez pas aimé. Alors, je ne pense pas que tout le monde partage mon avis en Belgique. Je ne suis pas représentative. Donc, moi, je n'ai aucune patience puisque je suis très rouge, très entreprenante. Donc, en général, je fais des visites groupées. Alors, Covid oblige, on les fait l'un à la suite de l'autre. Bref, dans les règles sanitaires, mais prenons hors Covid. En général, je mets toutes les visites le samedi ou le dimanche en fonction de la météo et de l'orientation du bien, bien évidemment. Donc, en général, le dimanche soir, je regarde la météo, j'encode l'annonce et je garde 24-48 heures mon agenda vide pour répondre comment on appelle ça, préqualifier les amateurs. Et je les mets tous les week-ends et je les fais attendre, ce qui est horrible, les gens deviennent fous. Parce que quand tu veux un bien, tu vois, je veux être le premier. En Belgique, il n'y a pas, ce n'est pas le premier qui achète, il n'y a pas de préférence. Et en Belgique aussi, pire, c'est plus vicieux,
C'est pas parce que tu acceptes le prix que tu as la maison. Donc, les gens deviennent complètement hystériques. Maintenant, je pense qu'il faut toujours se montrer empathique et leur dire qu'on comprend que c'est compliqué, hein, parce qu'autrement, ils vont te haïr, c'est pas le but. Et donc, je les mets tous le même jour, 50, 30, 100 visites sur une journée. Et donc, ils ont une pression de malade, évidemment. Quand tu viens et que tu sais que tous les quarts d'heure, allez, bon, une maison, c'est toutes les 20 minutes, tu as du monde, ben, tu as une pression de fou. Non, moi, je leur dis toujours, avant de rentrer, d'abord, je leur demande si ça leur convient. Je pense que c'est toujours important en commercial d'avoir l'accord, le oui du client. Je dis, voilà, écoutez, j'ai pour habitude de ne pas faire la visite avec les clients. Là, ils sont un peu surpris parce que je ne vais pas vous suivre pour vous dire ceci est une cuisine, ceci est un salon. Et puis, si je vous suis, je parle beaucoup. Je vais écouter tout ce que vous dites. Bon, là, ils sont déjà contents que je ne vienne pas. Mais je prendrai le temps après de répondre à vos questions. Et puis, j'ai des choses à vous dire. Je ne me montre pas nonchalante. J'annonce déjà que j'ai quand même du contenu à leur donner. Et ils visitent à leur aise. Souvent, j'en mets plusieurs. Hors Covid, j'en mets plusieurs en même temps. Je suis dans une maison, je peux se balader. Et parce que les gens ne viennent pas. Il y en a plein qui prennent rendez-vous puis ils ne viennent pas. Alors, ceux qui ne sont vraiment pas contents, de façon, de la porter là. Voilà, c'est comme ça. C'est, ben oui, à un moment, il faut… On peut dire rouge. Et donc, effectivement, lors des visites, je ne m'adapte pas au profil des gens. Pour la simple raison que ben, je n'ai pas le temps et qu'en plus, c'est horrible pour eux. Mais on est dans un marché, de toute façon, quand on vient avant, ils se vendent. Donc, aujourd'hui, pour moi, le vrai travail, il se fait à la prise de mandat. Voilà. Mais néanmoins, c'est de ne pas montrer trop désagréable et que d'emblée leur dire, écoutez, voilà, est-ce que ça vous convient? Même si ça ne convient pas trop, ils n'osent pas dire non parce qu'ils veulent entrer. Et de dire, je comprends que ça n'est pas très agréable, il n'y a pas de pression, je ne vous fais pas signer d'offre, ce n'est pas le premier qui signe. Vous visitez à votre aise et après seulement, on discutera. Très clair. Et tu les attends à l'entrée dans la cuisine, j'imagine, quelque part. Dehors. Tu les laisses vraiment tout seul. Et pourquoi dehors? J'espère, Caroline, que je répondais à ta question. Pourquoi dehors? Pourquoi? Tu as une idée? Je me demande si quelqu'un a une idée pourquoi du. Si je me pose la question. Parce qu'en fait, dehors, qui te voit? Allez, Thibaut, je te challenge. Qui nous voit à l'extérieur? Je suis curieuse de voir si quelqu'un va y penser. Je vous challenge, non? Alors, je leur réponds tout simplement parce que ce sont les merci. Les voisins. Et futurs mandats. Oui, c'est pas bête, ça. Et pourquoi, si tu fais du garden staging en automne, moi, je brosse toutes les feuilles mortes qui sont devant. Parce que les gens te regardent. Et alors, comme par hasard, ils sortent leur chien à ce moment-là. Et ils viennent. Alors, moi, en tant que commercial, ils traversent vite, c'est pas gêné. Moi, j'ai des cartes dans ma poche. Hein. Ah, je suis l'agent immobilier, on va mettre en vente. Je vous donne ma carte. Hein. Je suis déjà désolée par avance pour toutes les visites qu'on va avoir. Les gens, ils sont abasourdis, de nouveau. Tu vois, j'ai déjà eu des clients, des voisins qui téléphonaient à leur voisin, au propriétaire vendeur pour dire que l'agent était en train de tondre. Bah, ils se demandaient ce qui se passait. Donc, c'est du show. Voilà, vraiment, c'est ma technique pour rentrer le mandat. C'est vraiment une excellente démarche. En termes de prospection, je trouve que c'est excellent puisque effectivement, ça laisse ceux qui veulent visiter seuls. Et finalement, ce n'est pas une mauvaise idée. Et en même temps, on fait de la prospection à l'extérieur. Ah, ça, je trouve ça très fort. Et puis, il y a beaucoup de monde dehors. Tu vois, on se demande ce qui se passe. Alors, avant de faire les visites, comme il y a du monde, je vais aussi trouver les voisins très proches pour leur dire dès le départ que je suis désolée des agréments parce qu'en plus, tout le monde se parque n'importe comment. Je ne veux pas mettre les voisins à dos. Oui. En fait, moi, j'aime à dire à mes clients qu'ils ne m'achèteront jamais parce que je leur donne tous mes trucs, évidemment. Ils vendront toujours avec moi, mais ils ne m'achèteront jamais. C'est horrible. voilà. Très clair. Alors, on a parlé d'homestaging virtuel, on a parlé des visites un petit peu, très bien. C'est vraiment intéressant parce que c'est une nouvelle approche. Vigne, bien sûr. J'ai encore une réflexion, c'est que j'ai de plus en plus le cas de, peut-être dû au Covid, d'appartements qui sont où il y a eu un décès et qu'il faut vendre. Et donc là, tu as plusieurs héritiers et souvent, il y a beaucoup de choses et beaucoup d'objets. C'est très compliqué pour les gens de vider. C'est horrible, humainement, tu ne peux pas. Donc moi, aujourd'hui, je leur offre une solution que je ne prends pas à ma charge parce qu'elle est trop coûteuse. Je travaille avec un vide-grenier et je leur dis, voilà, écoutez, si vous le souhaitez, je peux vous proposer le service d'un vide-grenier. En un week-end, ils vont tout ranger. Vous allez d'abord prendre les objets auxquels vous tenez et vous verrez aussi, alors en fonction du profil, hein, les jaunes sont très émotionnels, les relationnels. Les conservateurs, c'est très dur pour eux d'aller dans une maison et de la vider. Les entreprenants, ils n'ont pas le temps. Et les analytiques, ils vont étudier tout le devis du vide-grenier, mais c'est quelque chose que je fais et qui marche très bien. Et les gens aussi sont soulagés de ne pas avoir à faire tout ça. Donc ça, c'est aussi pour les biens où il y a eu des décès et où il y a plusieurs aussi héritiers. Bon, ce sont des notes, ça coûte quand même quelques milliers de faire appel à un vide-grenier, mais c'est divisé par 4-5 personnes. Et c'est, je trouve, une bonne solution.
C'était effectivement, ça méritait effectivement l'explication. Alors, les questions. Est-ce qu'il y a des questions sur effectivement l'intervention du jour? On a quelques minutes pour des questions complémentaires. C'était intéressant, en tout cas, d'aller plus loin sur les dernières questions, entre autres de Caroline et de Delphine. Je crois qu'Anne est en train de taper une question. Donc, on va attendre la question d'Anne. Challengez moi. Non, c'est vrai que c'est que de la psychologie, finalement. C'est du commercial. Et tu le disais, convaincre, c'est vendre. En tout cas, c'est réussir à adapter sa communication. Oui. Tu vois, une fois que tu comprends les profils et que tu arrives à interagir avec eux, c'est prédictif. Hein. Donc, finalement, tu impactes. Moi, j'ai augmenté fortement mon chiffre d'affaires en faisant ça. Depuis que je fais ça, et améliorer mes relations. Je lis ou tu lis, Thibault ? Alors, je vais la lire. Anne nous demande « Bonjour, laisser faire les visites aux clients ne pose jamais de problème de vol ou autre. Les clients sont parfois assez sans gêne. » Ah. Bonne question. Oui. J'ai jamais eu le cas, je touche du bois, mais je dis aussi, c'est aussi une bonne façon de les faire ranger, je leur fais peur lors des mandats. Je dis aussi aux clients que lors des visites, il ne faut pas laisser traîner les objets de valeur, hein, tout ce qui est bijoux, tablettes et autres. Et donc, ça les incite, bien évidemment, à ranger tout dans les armoires. Mais j'ai jamais eu le cas. Vous voyez, j'en ouvre, oui, ils sont sans gêne, ils ouvrent et autres. Mais comme hors Covid, moi, je mets plusieurs personnes en même temps, ils savent difficilement aller voler quand il y a d'autres personnes dans la pièce ou dans la pièce à côté. Oui, c'est une bonne question aussi. Mais c'est vrai que c'est étonnant, effectivement, cette approche de laisser effectivement les clients tout seuls dans la maison. C'est vrai que c'est assez incroyable. Mais en tout cas, ça fonctionne, a l'air de fonctionner, Evelyne. Hein, parce que ouais. Alors, si les propriétaires peuvent être réticents, ben oui, mais enfin, je leur dis que je suis là. Ben, à un moment aussi, tu vois, il y a tellement de choses à leur dire. Parce que là, on vient seulement de parler du rangement. J'ai déjà pris une heure, mais je pourrais parler du juste prix, de la publicité, de plein de choses lors de la prise de mandat. Qu'à un moment, ils voient, ça fait un peu pompeux de dire ça, mais ils voient que tu es pro et te laissent faire. Donc, il pourrait être réticent. Oui, les conservateurs, et de nouveau, si j'avais des clients conservateurs, je serais certainement plus présente que pour d'autres. Mais oui, c'est un calcul de risque, mais j'avoue. Mais bon, moi aussi, je ne sais pas si vous le faites, chers confrères, mais moi, je préqualifie aussi les personnes beaucoup avant les visites. Alors, ce n'est pas pour ça qu'on sait voir s'ils sont honnêtes ou autres. Mais enfin, je fais quand même un sacré screening. J'ai toujours eu. S'ils touchent à la maison, ça va me barder. Enfin, tu nous as quand même dit que parfois, il y avait 50 personnes qui passaient en une journée. Hein, c'est ce que tu Oui, j'ai déjà fait plus. Alors. D'accord. Alors, il y a d'autres questions. Hein. Et quand il y a beaucoup de visites, as-tu assez de temps pour répondre aux questions après? Tu réponds à plusieurs personnes en même temps? Ah, c'est une bonne question. Ouais, non, je n'ai pas le temps. Je dis que je vais avoir le temps. Moi, je n'ai pas le temps. Alors, non, je n'ai pas le temps. Ce qui leur met une pression de fou. Par contre, ce que je leur dis, c'est qu'après la visite, je vais leur envoyer tout le fichier complet, mais tout. Alors, moi, je travaille en amont. J'ai tout le dossier vraiment complet, mais je pense qu'en France, vous l'avez chez nous, enfin, mais chez vous, oui. Et que je leur envoie. Et je leur dis aussi, je sais que je ne suis... Donc, l'empathie, c'est fondamental. C'est la deuxième clé, hein, Thibault. La psychologie, mais l'empathie pour avoir des bonnes relations avec les clients. Je leur dis, écoutez, j'aurais voulu répondre. Enfin, ça, c'est le sous-texte. J'aimerais répondre, mais il y a trop de personnes. Je sais que c'est désagréable pour vous parce que je ne suis pas disponible maintenant. Mais je termine les visites à telle heure. Si vous le souhaitez après, vous m'envoyez un texto, un mail, et je vous rappelle et je prendrai le temps pour vous. Vous savez, les gens, ils adorent. Et je le fais. Ça veut dire que parfois, dimanche et samedi soir, je téléphone. Hein. Je prends vraiment le temps. Et donc là où ils sont un peu déçus, ou pourraient être agressifs, à partir du moment où tu leur dis que tu vas prendre le temps pour eux, et que tu le fais, évidemment, et ben là, tu sors du lot. Parce que souvent, ce que les clients disent, c'est vous répondez, vous prenez le temps. Alors, merci, on a quelques messages sympathiques. Ça, pour toi, Evelyne, effectivement, tu as beaucoup d'énergie, ça fait du bien. Et ça, on en a besoin en ce moment, ça c'est sûr. t'es contente et effectivement, félicite ton énergie. Effectivement, c'est aussi ça, hein, c'est des formations, enfin, des conseils comme ça. Moi, je trouve que c'est très intéressant, juste pour l'approche commerciale, je trouve que finalement, ne pas être trop disponible pour les clients et les laisser revenir plutôt que d'être sur leur dos, c'est plutôt pas mal. Parce que c'est la bonne approche, en fait, pour vendre, c'est... vraiment être disponible, mais les laisser venir. Et je pense que c'est une bonne approche. C'est hyper intéressant, en tout cas, ces visites où on n'est pas avec eux.
Ça, j'y avais jamais pensé. Je trouve que c'est une bonne piste. Ah non, je crois que j'ai, enfin, moi, j'ai déjà acheté des biens immobiliers. En tout cas, toujours été accompagné pour me présenter la cuisine, la salle de bain. Effectivement, Oui. l'intérêt. À l'encontre de ce que l'on. Oui. Mais. C'est vrai que l'intérêt est limité, hein, c'est vrai. Hein. Finalement, on sait ce Alors, que ça coûte. évidemment, tu n'entends pas ce qu'ils disent, mais de toute façon, moi, j'arrête pas de parler, donc il vaut mieux que je ne sois pas là. Mais donc, c'est la stratégie, moi, c'est celle que j'ai adoptée. C'est, en anglais, on dit la stratégie pull, c'est-à-dire que tu essaies d'attirer les gens à toi et pas push. Il y a des confrères qui sont plus à l'aise avec une stratégie pushy à la prospection. Moi, je ne prospecte Mais pas, j'ai je crois que horreur de ça. c'est une très bonne approche pool. Effectivement, tu les fais venir vers toi, tu es disponible, Ouais. mais tu ne vas pas. Je trouve que c'est une très bonne approche. Une très, très bonne approche. Ouais, en tout cas, je la conseille. Merci beaucoup, Evelyne. On a fait le Avec tour. On a eu plaisir. plein de questions sympathiques. C'était très sympa. Moi, j'ai Merci à appris plein de tous. choses. J'espère que vous avez aussi appris plein de choses. Et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour cette fois-ci une interview, puisqu'on mixe les formations et les interviews tous les 15 jours. Voilà. Merci beaucoup, Evelyne. Merci pour ta bonne humeur et ton énergie. À bientôt. Bonne soirée à tous Merci. et à toutes. Merci. Au revoir, Evelyne. Merci. Au revoir.